Wesh, l'équipe. Wesh, les mecs, c'est comment? Je mets mon Twitch et ensuite on est parti. Tac. Salut Sachox, salut Chloé. Wesh Momo. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi les mecs, c'est comment? Les mecs et les filles, s'il y a des filles. Dommage. Comme c'est pas le Barça, ouais. Très pressant, ouais. Beaucoup failli. Ça va ou quoi? Ouais. Demain, on parle du Barça, les mecs. Je n'ai pas de prono. Tout simplement parce que c'est un match impossible à pronostiquer. Et surtout parce que je n'ai pas envie de porter l'œil ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai pas de pronos pour ce match, mais je l'attends avec impatience. J'ai hâte. Et si ça se termine mal pour nous, les Parisiens, les mecs, ça a rien d'envoyer des messages, tout ça, tout ça. Je m'en passe sur Discord, sur Snap. Ceux qui montent sur Snap, même s'il y a très peu d'éditeurs qui montent. Maintenant j'ajoute plus sur Snap. Mais vraiment, si ça termine mal pour nous, les Parisiens, le match se termine à 23h, à 23h30, je suis chez moi en train de dormir. Par contre, si ça se termine bien, à 3h, je serai encore debout, encore en train de fêter la victoire. Enfin, encore en train de fêter la qualif, si on se qualifie. Mais si on se qualifie pas, à 23h30, je dors. Je pourrais pas rester éveillé longtemps après un match comme ça. Enfin, soit je dors vite, soit j'arrive pas à dormir. Je pense que Mbappé a vraiment envie de se qualifier, du coup je pense qu'il va compter un doublé. Bah il n'y a pas que Mbappé qui a envie de se qualifier, ça choque. Tous les Parisiens, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors, mais sur le terrain ils ont tous envie de se qualifier. Il n'y a pas que Mbappé qui a envie de se qualifier. Oui, il a envie de se qualifier, mais c'est pas le seul. Et nos meilleurs joueurs cette saison, notre meilleur joueur cette saison, ce n'est pas Mbappé. Pour moi, les trois meilleurs Parisiens, je parle pas de l'aller, je parle pas du match aller, je parle de cette saison.
Vitinha, Dembélé et Donnarumma. Pour moi, ce sont les trois meilleurs parisiens. Après, un cran en dessous, tu peux mettre un Warren, un Lucas Hernandez. Mais les trois meilleurs, Vitinha, Dembélé, Donnarumma. Les trois meilleurs parisiens. Et c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre, j'ai pas d'ordre, mais juste les trois pour moi, c'est les trois meilleurs. C'est tout. Ah, charge. Oui, mais au PSG, il y en a qui ont déjà gagné les LEC. Du coup, si on perd, ils seront déçus. Mais comparé à Mbappé qui a constaté le LEC. Mais il y en a pas beaucoup hein, qui ont gagné les LEC. Hein. Par exemple, les trois joueurs là qui sont pour moi les trois meilleurs, ils n'ont pas gagné les LEC. Hein. Les trois joueurs que j'ai cités, qui sont pour moi les trois meilleurs parisiens cette année, il n'y a pas Mbappé et ils n'ont pas gagné les LEC. Hein. Dembélé n'a jamais gagné, Donnarumma n'a jamais gagné, Vitinha n'a jamais gagné. Donc si, ils seront déçus. Après oui, tu me parles d'un Asensio et tout, il sera déçu. Peut-être beaucoup moins que ceux qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, mais oui, il sera déçu. Mais 90% des joueurs du PSG n'ont pas gagné une LDC. Il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné les LDC. Hein. Il y a Hakimi qui a déjà gagné, il y a Asensio, il y a Navas, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà gagné. Mais mieux vaut rester au PSG l'année prochaine comparé à Mbappé. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça n'a pas de rapport. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais je comprends pas le rapport. Que, en fait, tu es en train de me dire que Mbappé, bah, comme c'est sa dernière année, il va être à fond pour gagner une LDC. Ouais, sans doute. J'espère, en tout cas. Mais bon, les autres joueurs, ils vont être encore plus aussi à fond, puisque c'est... Bah vraiment, cette année, les mecs, il y a... Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc dans l'effectif qu'il n'y avait pas les autres années. Enfin si, je sais ce qu'il y a. Il n'y a pas de mercenaires avec des joueurs de foot. Le foot Alphonse. Ça va ou quoi? Les mecs, on va essayer de bien avancer dans la carrière. Et c'est une question pour après Mbappé du coup. Ah mais moi je le dis depuis qu'Henrik est là frérot. Depuis qu'Henrik est là, je le dis qu'on gagnera une LDC sous Henrik, avec Luis Henrik. J'arrête pas de le dire. Et ça, c'est, y a, tout le monde est d'accord avec moi quand Henrik fait du bon travail. Mais à l'arrivée, quand Henrik a perdu son match tactique face à Xavi, on m'a dit ah bah non, t'es fou, impossible vous gagnez la LDC avec un mec comme Henrik. Les gens qui retournent leur veste, c'est fou. Alors c'est les mêmes un mois avant qui me disaient que oui on allait gagner les LDC avec Henrique. Mais bon. Yo Félix, yo PSG 9393. Moi je crois pas, moi juste depuis le 5 juillet 2023, depuis qu'Henrique est à la tête du PSG, et depuis que je vois tout ce qu'il fait pour le PSG, je dis que le PSG gagnera Ligue des Champions avec Luis Henrique comme entraîneur.
que Luis Enrique gagnera une deuxième Ligue des Champions dans sa carrière après, dans sa carrière d'entraîneur après avoir gagné en 2015 avec le FC Barcelone. En tout cas, moi je vous mens pas. Demain, si on sort, je serai dépité, je serai déçu. Mais on aura quand même vu dans cette campagne de Ligue des Champions des bien meilleures choses que des saisons où on va en demi-finale, par exemple. Notamment avec Pochettino. On va en demi-finale, mais je vous mens pas, les mecs, avec le jeu qu'on avait sous Pochettino, je ne sais même pas comment on fait pour aller en demi-finale. Même si on sort en quart demain, je préfère le jeu de Luis Enrique, même si on sort en quart, que le jeu de Pochettino pour se faire sortir en demi. Coucou Alex. Après, ce que j'ai trouvé bizarre comme le Barça, c'est comme Ligue 1, il y avait un truc Ramos. Non, il a jamais rentré Ramos au milieu, frère. On est passé à un attaquant de plus. Il a fait sortir Fabien Ruiz et fait rentrer Ramos, si j'ai pas de bêtises, mais c'est parce qu'on était passé à un attaquant de plus. On était à 5 attaquants à la fin de match. 2 milieux, 5 attaquants. On était en 3 de 5. Mais il a jamais été au milieu de terrain. Il a remplacé un milieu de terrain, mais il n'a jamais été au milieu de terrain. Pour Ramos, c'était bien bas. Bah parce qu'il venait récupérer les ballons en décrochant. Nous-mêmes, le bloc du Paris Saint-Germain était bas. S'il restait devant, s'il décrochait pas, il touchait aucun ballon. S'il décrochait pas, il aurait fini le match à deux ballons touchés. Alors oui, en fin de match, mais même en 5 minutes, il aurait fait un ballon touché. Donc il était bas parce qu'il décrochait pour toucher le ballon. Mais ça va être quand même, c'est vrai. Et Marquinhos à droite, oui. Marquinhos c'était vraiment à droite en première mi-temps. Pas en deuxième. En deuxième c'était Hernandez à droite, mais en première, ouais. Bref. Moi je me concentre sur Ricardo, les mecs. Aujourd'hui j'ai envie de bien avancer avec Ricardo. On va faire à peu près 2 heures de live avec Ricardo. Si frérot, je sais pas, Sacha, si tu regardes les Benfica, et si Ramos c'est un œuf qui aime bien décrocher. C'est pas rare autant qu'un Benzema. C'est plus un serial killer. Genre c'est plus un vrai neuf pur que Benzema. Mais il aime bien décrocher. C'est pas Lewandowski qui joue que au pivot non plus. Mais après si tu regardes pas Benfica, tu peux pas savoir comment jouer Ramos avant. Parce qu'à Benfica, il aimait bien décrocher Ramos. Ça lui arrivait de jouer en pivot aussi, mais il aimait bien décrocher. C'est bon, Marc, je sors. Casapia, ils sont trop nuls, cette équipe. C'est une dinguerie.
Même en championnat, ils sont archi nuls. 5 temps de game. Oh là là, mais les Barcelonais, mais... Dembélé qui a été insulté à son arrivée à Barcelone. Ça va et toi, Yaya? Les Barcelonais, ça arrive, pitié, ça. Je vous mens pas. Ils insultent un joueur alors que Dembélé a toujours préféré le PSG au Barça, au FC Barcelone. C'est pas Neymar, là, on parle de Dembélé. C'est un Français, il a toujours préféré le PSG au FC Barcelone. Quand il était petit, il supportait le PSG. Il y a des photos de Dembouz jeune avec des maillots du PSG. Donc bon. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Il a toujours préféré le PSG. On va aller à Dortmund les mecs, en mode bien. En mode bien soigné. Et où est Mathias? Oh, comment j'ai hâte. J'ai hâte d'aller à Dortmund les mecs. À Dortmund les mecs, on va pas garder le numéro 7. Ouais, c'est très réaliste, on va prendre le numéro pour la première saison, on va prendre le numéro 29 ou 19, un truc comme ça. Et yo Ruben. Match 9 au Sporting. Pas de prix gagner ce choc là. Pour les points qui seront importants en fin de saison. Mais ça à Dortmund, c'est mieux le numéro pour la première saison. C'est mieux le numéro 29 ou 19? 19, ça fait en mode Sarabia un peu. Et ça fait Benzema en équipe de France. Et 29, c'est Mbappé au début, à Paname. Beto et Sanka. On se rapproche petit à petit. En mode première saison et on prend le numéro 19. Ah non, finalement le ballon est perdu. On verra. On verra une fois arrivé à Dortmund. Le ballon change de port. Quel ballon dans le dos de la défense. Eh oui, signalé en position de hors-jeu. Au 17. Au 17, j'avoue, comme Vitinha. Comme Vitinha. On joue AD. Enfin, pas comme Vitinha. Je joue pas AD. Hein. Mais genre, même numéro Vitinha.
AD numéro 17. Ça peut le faire. Mais après, les mecs, après la deuxième saison, je reprendrai le numéro 7. Hein. Mais c'est pour essayer de pour faire réaliste. Hein. Première saison, on ne prend pas le numéro 7 direct. Parce qu'on passe quand même dans une autre dimension. On va à Dortmund, on passe quand même dans une autre dimension. On prend pas le numéro 7 direct. Ou on prend le 33, comme Warren. Non, je rigole. Je vais pas prendre le numéro 45 aussi. Mais ouais, 19, 29. En fait, c'est juste un numéro pour la première saison. La deuxième saison, je reprendrai le numéro 7. Direct, après la deuxième saison. Mais la première... Bah, j'ai pas envie de commencer direct avec le... avec le 7. On va devenir deux Donnarumma. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Oh, il a balle ! En vrai, numéro... Oh, ce numéro 29, ça me plaît quand même. AD. Je sais pas, on verra. Mais AD, numéro 29, ça rappelle un certain Kylian Mbappé. Oh, attendez. Ronaldo, il avait combien à Sporting, les mecs? C'était pas le 17? Oh, j'ai un doute. On va prendre le même numéro que Ronaldo à Sporting. Ronaldo, il avait le numéro combien Ronaldo, il avait le numéro combien à Sporting, les mecs? C'était 17, hein. On va prendre le numéro 17, hein, les mecs. Hein. Pour notre première saison à Dortmund. 93, mais on a dit un numéro, pas un département, frérot. Et yo, quel off. Ah non, 28, il avait. Attends, mais... J'ai des images de Ronaldo avec le numéro 17 là. C'est moi qui suis fou. Il a eu numéro 17 à un moment dans sa carrière. Salut PSG, Edith. Ah, c'est avec le Portugal. C'est avec le Portugal qu'il a le numéro 17. Ah ouais, c'est pas avec Sporting. Pas avec Sporting, c'est avec le Portugal. Ça veut quoi la PSG guide? Ouais, bah je sais pas quel numéro on va prendre, les gars. Ça 28, ça me plaît. Comme ça fait une petite histoire aussi. Numéro 17 ou numéro 17 ou 28, les mecs. Car ça me plaît, ça fait une petite histoire. Numéro de notre idole. Soit au Sporting, soit au Portugal. Quand il était jeune. Notre première saison à Dortmund, numéro 17 ou numéro 28. Ah, attendez, je fais un sondage. Ça, c'est grand soir de fou, mais là, j'essaie de penser à autre chose. Là. Parce que déjà que je pense déjà que à ça, et pour notre première saison, quel numéro on prend? Entre le 17 et le 28. 17 au Sporting. Non, il n'y avait pas 17 au Sporting, il y avait 28 au Sporting. Voilà les mecs, vous pouvez voter. Votez les mecs dans le sondage. Il avait le 17 au Portugal et le 28 au Sporting. Ronaldo. On prend soit l'un soit l'autre.
Ça fait une petite histoire aussi. Le numéro de notre idole, soit à ses débuts au Sporting, soit à ses débuts au Portugal. Parce que moi, ouais, j'ai envie de faire réaliste, quoi. J'ai pas envie de... Parce que déjà qu'on passe un cap, en avant à Dortmund, on passe de Benfica à Dortmund, on passe un petit cap quand même. J'ai pas envie d'arriver de prendre le 7, quoi. Ça, c'est pas réaliste. Même si ça pourrait arriver, parce qu'on a un gros crack, etc. Mais bon. On va arriver, on aura 22 ans. Numéro 17 pour la première saison à Dortmund. Et après, on reprend le numéro 7. À Dortmund, j'espère encore. J'espère qu'on va pouvoir prolonger à Dortmund. J'espère qu'on va rester au moins 3 saisons à Dortmund, les mecs. Allez, on sort. Quel but! Magnifique aspiration avec ce petit ballon piqué. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu. Yo, l'absoir. Il y a le serrette à Benfica, il y a un problème. Mais non, mais. C'est parce que c'est un portugais. Pour avoir été au Portugal, frérot, même à Lisbonne. Ouais, mais non, je suis con en fait. J'allais dire un truc, mais c'est logique, puisque Sporting, c'est Lisbonne aussi. Ouais, bon, je me tais. Par exemple, à Porto, pour avoir été à Porto, j'ai jamais été à Lisbonne, c'est mes parents qui ont été à Lisbonne, mais moi, j'ai été à Porto. À Porto, les mecs, ça n'a. Porto, ça n'a jamais été le. T'es portugais, non. Porto, ça n'a jamais été le club de CR7. Hein. Et CR7 n'a jamais aimé Porto. Et ben, à Porto, il y a une boutique CR7. Il y a une boutique où à l'entrée, c'est une statue de Ronaldo. Il y a des maillots de Ronaldo, un maillot signé de Ronaldo, et c'est à Porto. Et il n'a jamais réellement aimé Porto. Ça y est, là, moi j'ai hâte d'aller. À Dortmund. Les mecs, est-ce que on simulerait pas ce match face à Aston Villa? Dans tous les cas, on est sûr d'être premier. Est-ce que on simulerait pas ce match? Parce que je comprends pas, il a aucun intérêt. Allez, on simule. J'ai eu 4-0, j'ai cru qu'on avait mis 4-0. On a fait 1. On perd pas, c'est carré. Et là, Braga, on a mis à 3 points. Okay. Ton pronom. Prono plutôt. Et j'en ai pas. Je n'ai point de prono. Vous êtes le joueur du mois. Let's go. 3 fois joueur du mois déjà. Mais on s'en fiche, parce que ça y est, on a déjà réussi nos objectifs, nous, pour aller à Dortmund. C'est une dinguerie, ça, quand même. On est déjà sûr d'aller à Dortmund, alors qu'on est en octobre. Enfin, en octobre, on était déjà sûr. On est quoi, quand on est en novembre? En octobre, on était déjà sûr. Wesh, c'est quoi ce pseudo?
Yo, Yo, Boudin. Ouais, c'est atroce le pseudo. Tu as Twitch après? Ouais. Ouais, après je vais Twitch. Mais là, je fais 1h45 à peu près. Avec les carnets. On parle bien avancé. Bonne journée, ciao frérot. Tu te nomines au bandeau ou pas? Je sais pas, j'ai même pas vu les nominés. Mais c'est Aaron qui a gagné. Mais j'ai raté les nominés. Parce que j'ai même pas vu. Mais c'est Aaron qui a gagné. Tu parles Dortmund? Ouais, on va à Dortmund après. Parce que je vois pas, en plus ça me va. Parce que. Après j'ai envie de faire Barcelone. Et si on fait Atlético et après Barcelone, bah ça peut être réaliste, on peut dire on fait comme Griezmann. Mais bon. J'ai pas envie de faire deux clubs ennemis non plus. Le gain est pas gay, il marche pas. Non fait Paris. Mais frérot, comme deuxième club. On va pas aller à Paris direct. T'inquiète pas frérot. Tout est déjà prêt dans mon plan. Comme deuxième club Dortmund, comme troisième club Barcelone, comme quatrième club PSG. Ah oui les mecs. On fait la carrière de Dembélé. Il y a juste le premier club qui change. Lui il était à Rennes, non à Benfica. On fait la carrière de Dembélé les mecs. Comment ça j'ai mis le lien du live? C'est bon, c'est carré comme ça. Carré de Dembélé avec plus de buts, exactement. Yo à Delphine. Elles sont prime ou pas? Non, est-ce que le début là. Son prime, ce sera à Barcelone, mec. Mais... Tu vois, je dis à Barcelone en mode je suis sûr qu'on va aller à Barcelone. Alors pour le moment, je suis juste sûr qu'on va aller à Dortmund. Je sais même pas comment ça va se passer après. À tout moment, on se fait virer de Dortmund, on peut pas prolonger. Et la carrière, elle prend une autre tournure. Retour à Benfica. Ouais, possible. Possible qu'on fasse une André Di Maria. Possible, un but fantasque. J'aime pas ce que c'est un but fantasque. C'est en mode retourner et tout. Quoi? C'est moi qui fais la faute là. Mais allez. Va faire un tour. On sort à la mi-temps, les mecs.
Moi, je me mens pas, j'ai envie d'avancer vite là aujourd'hui. Je fais à peu près je vais faire un petit peu moins de 2 heures. Un petit peu moins de 2 heures de live sur YouTube. J'ai envie d'avancer. J'ai bien vu. Donc à Kabuna, tu veux trop chercher. C'est une dinguerie. Parce que là, tu mets de l'huile sur le feu. Tu veux essayer de trouver un problème là où il n'y en a pas, de base. Ah, c'est ça un but fantasque. En fait, c'est plus simple que ce que je pensais. Je pensais que c'était un genre un retourné et tout. Ah, je vois qu'il disait but fantasque. Bah attends, on va essayer. Bon, bah ça sera pas pour ce match. Ça, je sais rien. Si lui dit je suis bizarre, bah t'es un peu. Je peux pas dire que t'es bizarre, mais je peux dire que ton compte, ta chaîne en tout cas est bizarre. Ton compte YouTube est bizarre. Peut-être tu t'appelles. Peut-être tu t'appelles Cacaboudin. T'as une pépite, mon pote. Rien quoi. Je peux pas dire que toi t'es bizarre. En tout cas, t'as fait un compte bizarre. C'est bizarre, mais frérot, non, mais là tu comprends pas ce que je dis. J'ai dit sur mon petit truc là, mon petit speech, j'ai dit 3 fois on peut pas dire que toi t'es bizarre. Et là, tu me dis que j'ai dit que t'étais bizarre, oh, frérot. Là, je peux rien faire pour toi. Là. Si j'ai très bien compris. Eh, ça c'est impossible de parler avec des gens comme ça. Eh, c'est impossible. C'est une dinguerie. J'ai dit, il a très bien compris alors qu'il a rien compris. Mais ça, les gens comme ça, je sais même pas c'est quoi votre but dans la vie. À part faire chier les gens, je vous mens pas. Je comprends pas votre but. Bien vu, Call of. Visez là. Seizième, atroce. Allez hop, on simule. Il y a une victoire de 0. Allez hop, on simule ce match là. Ça, Salzbourg, LDC, c'est déjà fini. On a perdu 2-1. J'ai pu gérer pas l'entraînement. Voilà. Maintenant, on joue tous les matchs après aujourd'hui. Parce que sinon, c'est chaud. T'as bien simulé. Ah, je te mens pas, j'ai la flemme de jouer les matchs. Mais là, quand j'ai vu que j'étais passé dans les remplaçants, on va jouer, t'inquiète pas. C'est quand le prochain match de couple. On va jouer face à Gilles Vicente en couple. Non, face à Casapilla après. Et depuis, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on prend un match de coupe? C'est là, là, en février. Ça fait longtemps. Moi, je dis finale Benfica Sporting.
6 points, 3... Comment ça 6 points? Ah, le dernier est 6 points. Donc avec l'Ajax, tu l'as fait une saison championne. Ah oui, moi FM, j'ai totalement lâché. Hein. Moi, j'ai joué à Supermarket Simulator sur mon téléphone. FM, j'ai complètement lâché. J'ai pas joué à FM une minute depuis toutes les vacances. FM, je jouerai cet été. Et je crois vraiment, je joue pas avant cet été, hein, à FM. J'ai pas joué pendant les vacances, pendant les cours, j'ai pas joué. Je reprendrai cet été. Sur quoi? Sur PS5. Ils sont trop nuls, c'est les derniers eux. J'ai mis avril bientôt l'été. J'avoue, on est mi-avril. Il y a combien de jours en avril, les mecs? Il y en a 30. Ouais, il y en a 30. Oh, bientôt le mois de chômeur, les mecs. Let's go. Bientôt le mois de chômeur. Le mois férié. Je suis là, je dis mois de chômeur et tout, alors que le deuxième jour de ce mois, j'ai un DS de français de 4 heures. 3 heures. 3, 4, 3, je crois. Donc, bon. Je reprends le 22 et le 2 mai. Je reprends le 22 avril et le 2 mai, j'ai un DS de français. De 3 heures pour bien commencer ce mois de chômeur. Moi, 3 heures derrière, c'est terrible. Je te jure, frère. Oh, ils ont banalisé toute ma matinée pour ce DS. C'est un mardi. Bah, normalement, j'ai mes cours. Normalement, j'ai 3 heures le matin de cours. Et ben là, j'ai pas cours le matin. J'ai mon DS de français. De 8h30 ou 8h15, je sais plus, de 8h15 à 11h15, je crois, ou de 8h30 à 11h30. Je suis Ultimate Team, non, regardez, c'est la rentrée de fou. Faut que j'avance dans mes devoirs, moi. J'ai un livre à lire pour le jeudi. C'est dans 10 jours. Wesh, j'ai un livre à lire pour le 25. Pendant 10 jours, j'ai pas commencé. Non, 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 faut que je m'y mette. En plus, c'est grave long. Et la première semaine, c'est passé trop vite, frère. J'ai l'impression que ça fait 3 jours que je suis en vacances. Enfin, ça fait une semaine plus un week-end. Parce que pour moi, les vacances, elles commencent le lundi. Donc ça fait une semaine que je suis en vacances. Moi, mes vacances, je considère que je suis vraiment en vacances à partir du lundi. Pas le week-end. Le week-end, c'est comme d'hab, quoi. Mais c'est le dimanche soir, quand tu dis que t'as pas cours demain. Ah, ça, c'est bien. Le dimanche soir, quand tu te dis que demain, t'as pas cours.
que mardi t'as pas cours, que t'as pas cours toute la semaine, en fait, c'est incroyable. De fou, frère. 3 heures, c'est dé. Mais vraiment, parce que en plus, si je rate ce DS, parce qu'il sera bien qu'au F3 ou qu'au F4. C'est-à-dire, si je le rate, mon année, elle est dead. Si je le rate, mais mon année en français, elle est dead. Elle est morte. Non, je pense pas 5 quand même. À tout moment, c'est 5. Mais je pense pas. Je pense que ce sera 3, 4. Mais si je le rate, mon année en français, c'est... Mon semestre est terminé et mon année est terminée. Parce que je crois en plus que c'est la dernière éval de l'année. Enfin, dernière grosse éval, quoi. Après, les autres, ce sera COEF 05, COEF 1... Bon, j'ai rien contre les évals COEF 05 et COEF 1, mais bon. Quand il y a une éval qui est COEF 4, excusez-moi, mais je m'en fous des évals COEF 1, COEF 05. Permettez-moi de m'en foutre. Allez hop, Family KO, on simule. Let's go, victoire 2. En plus, c'est le mercato, là. Est-ce qu'on part maintenant? Est-ce qu'on peut partir maintenant, mais... Le Bayern! Le Bayern, ils sont sur nous, les mecs, on va mettre un plan. Ça y est, je pars au Bayern, les mecs. Les mecs, je pars au Bayern, ça y est, ils ont mis un plan à Dortmund. Je rigole. Je vais à Dortmund. Même s'ils proposent moins, par contre, c'est des rats. La vie. C'est des big rats. Oui, non, mais je rigole, hein, je vais pas au Bayern, les mecs. Hein. Attaquant de l'année, on est dedans. Est-ce que c'est nous, attaquant de l'année? J'espère. Ça me dérangerait pas. On est joueur du mois encore. J'en ai joueur du mois alors que j'ai ce mois-ci j'ai plus simulé que joué. Atroce. Et on est quand même joueur du mois. Au revoir, ciao, Boudin. On va simuler les 3 matchs qui sont là. Non, je rigole. Je sais pas ça pour la fin de toute façon. Ouais. Ouais. Et il reste encore 15 niveaux là à faire. Donc le dernier. Ouais, mais après c'est. Ouais, c'est pourquoi le groupe du Real il est déjà sorti. Attendez, mais Real, vous êtes débaisé, Call of, vous êtes débaisé. Pourquoi votre groupe il est déjà sorti? Au moins, il sort la veille, les groupes. À moins que je sois con, mais vous jouez pas le même jour que nous. Enfin, demain, c'est l'Atlético en même temps que nous, c'est pas vous. Ah, peut-être. Ils se sont trompés de jour. Non, je trouve ça impossible. Mais je pense que c'est parce que. Non, je pense avoir compris. Parce que le Barça aussi, je crois qu'ils ont fait ça à Galé.
Mais je pense que c'est parce qu'ils partent aujourd'hui. Je pense. Je pense qu'ils doivent partir aujourd'hui, c'est pour ça. Et du coup, ils vont faire plein de. Enfin, pour les réseaux sociaux de Real, ils vont faire plein de vidéos dans l'avion, dans le bus, etc. Avec les joueurs qui seront dans le groupe. Enfin, je vois que ça. Si c'est pas ça, je comprends pas. Si c'est pas ça, ils sont trompés de jour. Mais non, je pense que c'est ça, comme le Barça avait. Le Barça, ils avaient annoncé leur groupe un jour avant nous aussi. Nous, c'était. Ah, mais non, c'était la veille. Eh, je sais plus, frère. Bref, ils avaient annoncé leur truc un jour avant nous. Ouais, je crois qu'il était bloqué. Il a dit quoi? Je regarde. Wesh, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, PSG Barça, c'est demain. Vous buguez là? Enfin, les autres, la Kogoff et tout, vous buguez pas, vous? Oui. Bah si, il me dit vous buguez. Et moi, les mecs, ça marche bien sur la rediff. Hein. Sur le retour que j'ai, ça marche bien. Donc, soit vous vous foutez de ma gueule, soit c'est vraiment moi qui marche bien chez moi, mais chez vous, ça marche pas. En tout cas, moi, ça marche. Il y a juste du délai, mais comme d'habitude, genre il y a une action de délai. Là, ce que vous faites là, enfin ce que vous voyez là, cette action, et eh ben je suis déjà à une autre action. Voilà, là je suis déjà en train de tirer le corner là, par exemple. Allez, on sort. Mais non, il fait mon geste. Wesh, il fait mon geste. Wesh, c'est mon geste, ça. Je sais pas, je viens de calculer qu'il faisait bien ce geste-là. Yo, Medox. Oh, manager of the year. Mais non, Eric Cantona. Ce sera Roger Schmidt. Schmidt. Je sais pas comment. Bref, c'est Roger, quoi. Ah ouais, les gars, c'est Roger. Oui, mais c'est manager du championnat ou manager. Le meilleur manager de l'année, quoi. C'est le meilleur manager du championnat. Putain, du milieu du marché, il y aura sans doute Pedri, les mecs. Hein. Sans doute le retour de Pedri, les frères. C'est Pedri qui me fait peur. Sans doute le retour de Pedri, le retour de Jong. Un milieu Gundogan, Pedri, De Jong. Oh, le milieu du port, frère. T'imagines, les gars, on met le milieu du Barça au PSG. Ouais, non, en fait, non, moi j'aime bien notre milieu. Juste. Moi j'aime bien notre milieu, mais juste. Juste deux joueurs, en fait. Le troisième, je l'aime pas.
troisième, je l'aime pas. Allez, à vous de deviner qui est le troisième. Qui est ce joueur? Pas remplaçant des mains. Jamais, t'es fou. T'es fou. T'es fou quoi? T'es pris un caillou dans le crâne? Qu'est-ce qui se passe pour que tu dises ça? Jamais, il va jouer tout le match. Il va jouer 90 minutes. Par contre, je pense qu'il n'y aura pas. Enfin, si, il a les boys pour le faire. Mais je sais pas s'il le fera de ne pas mettre Donnarumma le banc. Je sais qu'il y a les boys pour le faire. Mais je pense pas qu'il le fera. Ne pas mettre Didio Donnarumma. Ma paire en plastron, j'espère. Bon les mecs, je vais pas prendre en screen vos messages ou quoi. Parce que j'ai pas envie de porter l'œil. Mais si, je dis bien si, s'il nous sort un match de port demain, vous allez regretter vos messages que vous êtes en train de dire là. Moi je peux pas dire j'espère qu'Mbappé soit remplaçant. Jamais je dirais ça. En Champions League, je parle. Hein. En Champions League. Jamais je dirais j'espère qu'Mbappé soit remplaçant en Ligue des Champions. Je préfère Mbappé ou Benzema à Mbappé. Par contre en Ligue 1, si Mbappé est remplaçant, je vous mens pas, je m'en fiche. Pour ne pas être vulgaire. Je m'en contrefiche si Mbappé ne joue pas en Ligue 1. Finale de Coupe de France, je m'en fiche un peu moins. Mais je m'en fiche par rapport à la Ligue des Champions. Si en finale de Coupe de France, Mbappé est sur le banc, je vois pas, ça me dérange pas. Si on a une attaque Dembélé, Ramos, Barcola, je vois pas, je kiffe l'attaque. Ça me dérange pas. Par contre, en Ligue des Champions, si... Non, en Ligue des Champions, il est là. Il sera là. Il sera là et il va jouer tout le match, les mecs. Bon, je vais jouer tout le match, peut-être pas. Mais il sera titulaire, il va jouer au moins une heure. Et si demain il est réveillé, et si demain sur la première heure il nous met doublé, et si on prend un but, genre qu'il y a 2-1 par exemple à l'heure de jeu, je vais pas parler trop parce que j'ai pas envie de porter grille. Mais si par exemple sur la première heure il met doublé, eh ben je peux vous dire qu'Henry va laisser finir son match. Et moi je veux y croire à un gros match de Mbappé demain. J'ai envie d'y croire. Luis Enrique devrait plus souvent parler aux joueurs. Il y a des moments où ils sont pas bons. Ah, je t'assure qu'il leur parle beaucoup, frérot. Enfin, que ce soit pas dans un match ou même dans un match, pour avoir vu Enrique plusieurs fois au Parc des Princes, déjà, il est toujours debout. Déjà, ça c'est une dinguerie. J'étais épaté de voir ça. Parce qu'on passe de Galtier, qui est toujours assis en train de bouffer son chewing-gum et son bloc-notes, qui était toujours assis, à Lucho, qui est toujours debout, qui est toujours debout, qui ne s'assoit pas une fois. Ou quand il s'assoit. Il se relève 20 secondes après parce qu'il est en train de gueuler, parce qu'il est en train de crier sur un joueur. De lui dire de le replacer, de dire qu'il faut faire attention dans son dos. Il se relève 20 secondes après. Et moi je le kiffe. Moi je le kiffe. Je vous mens pas, je le kiffe. Je préfère voir un coach comme ça qu'un coach comme Christophe Galtier qui est toujours assis en train de bouffer son chewing-gum et son bloc-notes. Parce qu'il veut faire comme un grand entraîneur qui a toujours un chewing-gum. Sauf que Galtier n'est pas l'entraîneur qu'il pense être. Galtier est la nullité qu'il pense être. Je sais pas si vous avez capté de qui je parlais quand je dis que un entraîneur qui a toujours un chewing-gum,
Mais le poteau, il se prend pour Carlo Ancelotti, je crois, avec son chewing-gum. Sauf qu'il y a... il y a un monde d'écart entre Ancelotti et Galtier. Il y a un monde, et encore en disant un monde, je suis gentil. Parler foudre Mbappé. Palmer foudroie Mbappé. Ah Flora, excuse-moi, mais faut revoir tes avis footballistiques. Excuse-moi de te le dire comme ça, mais faut revoir vraiment tes avis footballistiques. Parce que là, c'est la culture de l'instant, là, qui te fait parler. C'est vraiment la culture de l'instant qui te fait parler, qui te fait dire ça. Comment on va regarder un tuto en mode bien les mecs. C'est la vérité. Ok, si tu le vis. Et Dieu m'en dit, il y a Tottenham, Leverkusen sur... Ah bah il est passé Tottenham. Mais non, même fils de paille est parti à Monaco. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut absolument ruiner sa carrière. Ce moment, bah, sur le dernier mois, ouais, si tu veux. Mais sur la saison. Non, sur la saison encore, ça peut se comprendre. En ce moment, oui, si tu veux. Parce que Palmer fait une saison de porc. Encore 45 minutes avec Ricardo. Je vais pas jouer PSG, j'étais pas là. Arsenal Sociedad. Ok, je vais vous dire qui va se qualifier selon moi. C'est bon? Arsenal. Napoli, Liverpool, Benfica. PSG, Barcelone, Real City. Tu vois quoi là? Là je chantais Gasolina de Tiakola et RSCO. Là c'était Gasolina, Tiakola et RSCO. Bon je crois on prend le numéro 17 les mecs. Tu vois quoi? Frérot, tu fais exprès ou?
C'est pas comme si vraiment je voulais te répondre, genre il y a 10 secondes. Non, c'était pas Ricardo, il m'a cassé, c'était son frère sur l'action. Allez, Ricardo, il est revenu. C'est son frère sur l'action. C'était Dembélé. Voilà, c'était pas Ricardo. Rien de grave. Mais maintenant, c'est Ricardo. Crochet, arrête Dembouze. Mais Cabral, il était neuf, mais il faut le mêler, ce neuf. C'est un numéro 9, regardez ce qu'il rate. C'est un numéro 9, regardez ce qu'il rate. Allez, Orons, ton crâne chauve. Tu peux le faire. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Là, par contre, c'était Ricardo. C'est juste que. Salut, Lorenzo. Wesh. Attendez, mais ils sont pas dans les derniers, ce club là aussi. C'est qui ce gardien? Mais wesh. Allez, extérieur. Banane. Gardien sur son prime. Bah, il aura duré 18 minutes son prime. Mais non, il joue à la play. Mais non. Je veux dire, mais non, Yacine. Mais non, Ricardo. Il joue à la play. Demain, PSG Barça, ouais. Ouais. Boum. Eh, en vrai, il est trop beau. Il est trop beau, Ricardo, les mecs. Oh non, il est frais. Oh non, il est frais. Attends, c'est vrai qu'il y a un aspect, là. C'était Dembélé. Non, en plus, si vous regardez Atletico Dortmund, bah, les fans de Atletico et de Dortmund. Mais je suis sûr que ça va être un beau match. Hein. Moi, personnellement, je vais pas regarder parce que. Bah, force à eux, mais ça va être un match sans buzz. Parce qu'il y a le meilleur club de France qui joue en même temps. Voilà pourquoi ça va être un match sans buzz. Mais je suis sûr que ça va être un beau match. Je vais me regarder le résumé. Je suis sûr. Je me regarde le résumé de Beansport. Trosse Dembélé, fan de Griezmann. Je me sens compris là-dedans. Mais du coup, non, pas tous. J'aime trop Griezmann, mais je vais pas regarder l'Atlético. Et Griezmann, je le kiffe. Mais force à lui, demain je regarde pas. Yo Atanox. T'es en retard sur les messages. C'est juste en fait ils arrivent, mais comme je les lis pas directement lorsque vous écrivez, eh ben j'écris. Enfin je lis plus ceux du haut, ceux que j'ai ratés, et après je redescends. Parce que vous écrivez pendant que je suis en train de jouer. Et quand je suis en train de jouer, bah je vous lis pas quoi en mode. Et ça va où je trouve tes montages. Enfin, je l'ai fait avec mes mains, avec mes doigts, sur CapCut.
Frérot, tu m'as dit où tu trouves les montages. Bah, je l'ai fait. Je vais aller sur Telegram, non. Tu vas pas regarder PSG Barça? Ah si, frérot. Ah si. T'inquiète pas que je vais regarder PSG Barça. Si. Non, j'ai raté Biri. Oh non. Oh non, j'ai raté. Oh non, j'ai raté Biri. Les deux affiches avec Buzz. C'est sur RMC. PSG, c'est sur. Et c'est RMC et Canal Plus Foot aussi. PSG et Real, c'est sur Canal Plus Foot aussi. Et sur beIN, c'est Atlético et Bayern. Parce qu'il diffuse la IA et il diffuse la Bundes. Les mecs, on a Ferrari! Regarde, on a Ferrari, les mecs! Où trouves tes montages? Mais c'est moi qui l'ai fait, frérot! Où trouves tes montages? Mais c'est moi qui l'ai fait, gros! Ah, les images de montage. Attends, comment ça, les images de montage? Attends. Là, j'étais pas là. Comment ça, les images? Les clips, tu veux dire, en mode les vidéos? C'est ça dépend. Sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Et sur YouTube, par exemple, si tu veux des free clips de, je sais pas moi, de Mbappé, tu tapes free clip Mbappé. Oui. Bah sur YouTube, sur TikTok, sur en fait je les trouve pas toujours sur la même application. Il y en a que je trouve sur YouTube, il y en a que je trouve sur TikTok, il y en a que je trouve sur Instagram. Ou par exemple si tu veux des clips de Ronaldo, de Mbappé, tape sur YouTube, il y a Free Clip 4K Ronaldo. Et tu auras des clips de Ronaldo. Et ce sera peut-être sans doute les mêmes que les miens. Possible, ça peut ne pas être les mêmes non plus, mais ça peut être les mêmes. Enfin, ça peut être des clips que tu as déjà vu sur ma chaîne, par exemple. Je crois que Ronaldo, c'est le joueur dont j'ai eu plus de clips. C'est vraiment l'un des joueurs. Ok, c'est le plus facile de trouver des clips. Ça va vite sur le côté gauche. Laisse tomber. Avec Ferrari, ça va être trop fort. Je sors à la mi-temps, les mecs, hein. J'ai à peine appuyé! J'ai à peine appuyé! Oh, elle donne remis finalement. Eh hey, les mecs, faut réaliser que Rodriguez en une saison, il y a plus de trophées que Marseille sur les 13 dernières années. C'est fou quand même.
Il a plus de trophées que tout un club sur les 13 dernières années. Et lui, en une année. Il a plus de trophées que Harry Kane, alors que sa carrière a commencé il y a 15 ans. Bon, sur le 15 ans, j'abuse. Mais elle a commencé il y a 11 ans, 12 ans. C'est une dinguerie quand même. Elle a commencé quand Mbappé était en 6e. Atroce, le bot il parle plus que vous. Atroce. Ouais, voilà, c'est une bonne séquence. Le concentre là peut-être. 15h16, je vais vers 45 les mecs sur Twitch. Il fallait aller la chercher, celle-là. Quelle magnifique parade. Un corner qui est bien ajusté. Par contre, les mecs, sur Twitch, vous n'êtes pas chaud. Ouais, non, je sais pas. Vous n'êtes pas chaud, on joue à GTA? Parce que flemme de jouer à FIFA. Par contre, ce sera pas sur la Play, ce sera pas sur la Play 5. Ce sera sur la Play 4. Mais on va pas faire le mode histoire et tout. Flemme de me contraindre à des trucs, hein. Juste je me balade. Juste je me balade, on s'amuse. De fou. Aujourd'hui, flemme de jouer à FIFA. Même là, j'ai jamais simulé autant de matchs. On fera du GTA, c'est pas mal. Non, je voulais un coup franc, moi. On va s'amuser, les mecs. On va au parc d'attractions et tout sur GTA. On s'amuse au centre là-haut, au parc d'attractions. On fait la roue, on fait le petit truc avec le wagon là. Qui coûte 15 balles, je crois, $15 le tour. Alors que ça dure vraiment 15 secondes. La roue, c'est archi nul, ça coûte 8, je crois. Ah, dès que je. Genre, si je fais un live sur GTA, il est direct en plus 18. Mais je vais pas non plus faire que tirer. Juste, je vais m'amuser. Juste on va aller dans les parcs d'attraction. Tu dois remettre jeu violent. Bon ben d'accord. Par contre, du coup, les mecs, ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Comme il faut que je lance la Play 4, il faut que j'arrête la Play 5, que je lance la Play 4. Ça va prendre plus de temps. Parce que je veux pas rester sur le même jeu, je vais pas rester sur la même console. Même quand j'essaye de faire des plus grands, ils sont trop petits. Eh, j'avais pas dit short à la mi-temps. Eh, j'ai envie d'aller maintenant sur GTA, les mecs. Je vais aller sur GTA, les frères. On a bien avancé, là.
on a bien avancé. On s'arrête, voilà, le 11 février. Ouais, le temps il est bizarre là. Il y avait un soleil, il est parti. Non, t'abuses, j'ai joué un peu quand même. Un peu. J'ai plus joué que simulé quand même. T'as bien avancé. Bah écoute, demain par contre, les mecs, pas de live. Ah ouais, faut vraiment que je fasse mes devoirs aujourd'hui. Hein. Enfin, oh misère. Demain, pas de live, les mecs. Mercredi normalement. Mercredi normalement live et objectif on va jusqu'à fin mars mercredi. Donc voilà. On va jouer au GTA, ça fait longtemps. Je vais retoucher à des manettes de PS4, ça va faire bizarre. Mais bref, voilà en tout cas les mecs. Merci à tous d'avoir été présents pour ce live FIFA, ce live YouTube. Qui devait durer à peu près 2 heures, qui a duré finalement seulement 1h20, mais tranquille, c'est pas grave. Merci à tous. Je sors un short et ensuite je vais sur Twitch sur GTA. Merci à tous. Ciao les mecs. J'éteins la play.